Mardi 19 juin 2018, bonsoir tout le monde, bienvenue dans Téléjournal Lan sous télévision nationale d'Haïti. Mais un grand titre pour Assoya. Commission Justice Sénat rencontré mardi 19 juin, membre Conseil supérieur Police nationale là. Question sécurité à tenant mi-temps discussion yo. Ministère Santé publique et population lancé mardi 19 juin document politique national laboratoire. Document ça définit stratégie gouvernement pour améliorer système santé à non pays. Épreuve anticipée français pour élèves nouveaux secondaires 3 déroulée mardi 19 juin dans le pays. Toute disposition te prend pour faciliter bon déroulement. Examen si là. Mardi 19 juin, fait faculté sciences humaines 44 l'année depuis qu'il existait dans l'université l'État d'Haïti. Dans l'occasion, étudiants et responsables de la faculté et puis rectorat université l'État organisé une série d'activités pour marquer journée ça. Dans l'actualité, en l'autre bord de l'eau, chancelier allemand Angela Merkel recevoir président français Emmanuel Macron mardi 19 juin. Crise migratoire tenant mi-temps discussion. Amis téléspectateurs, n'a pas invité nous tous rester branchés ces titres avec un pilote information qui va le faire essentiel. Il faut encore saluer et remercier tout le monde qui branche Téléjournal Lan sous Télévision Nationale d'Haïti dans la présentation à Soya. C'est Linela qui ensemble avec nous. Nous avons démarré l'information ensemble avec le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine dans tête d'une délégation qui était là-dedans le ministre des Affaires sociales et du travail, le ministre des Travaux publics, Transport et Communication qui visitait hier dimanche le travail qu'a fait sous route Pilate Plaisance. Là. Député Pilate, là, Roms Périlus, apprécié l'importance son chef gouvernement bail à travail qu'a fait là à travers visite Silla. Anne Marguerite Auguste à Grégory Misna a présenté nous un reportage. Objectif visite là c'est pour permettre autorité de garder état d'avancement travail là et puis ouais qui matériel qui manquait pour finaliser travail yo. Ministre travaux publics transport communication ingénieur Fritz Kayo fait connaître tronçon route ça qui mesurait 16 km exige mobilisation divers matériels pour finaliser travail yo. Quantité matériel ouais nous gain la fond d'amidibil parfait pour répondre à besoin population. Nous comprenons situation mais à chaque fois un problème n'a fait tout ça nous connaît on pour capable et alimenter en matériel. Donc on regarde là travail ça pour faire là besoin là faut bien grider faut bien rouleau faut bien camion d'eau. Comprenez donc premier terrassement premier partie travail dans le fait déjà mais finaliser travaux faut bien matériel ça. Comme les mandé nous là binou avec je moi même avec premier ministre nous vinn ouais besoin qui ça capable porter. Bah oui, en termes de matériel. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine expliquait visite ça traduit bon relation qui gagnait entre parlement et exécutif là. Il dit au prend note sur sa zone en besoin pour plus bien orienter travail caravane changement. Son façon pour me dire non que gouvernement travaille. Et travail qui est fait là, Jean député en sorti nous tout à l'heure, son gros partenariat qui gagne entre exécutif là et député là. Ensuite, magistrat et puis communauté en tout. C'est nous tous qui mettons tête nous ensemble pour nous qui gens que nous avons la vie meilleure en Haïti. Donc, moi-même, à chaque fois, je ne vais pas beaucoup dire, je demande des populations pour le mettre ensemble avec nous, pour nous avancer, pour nous aller dans notre pays. Député Pilate, là, Worms Périlus, salue l'intérêt autorité de manifester pour faire pays avancer. D'après parlementaire, à visite ça, témoigner responsabilité dirigeant yo vis-à-vis pays. On commence avec Tavou.
Donc, nous avons un problème avec matériel et c'est ça qui fait et sans visite ministre. Il vient regarder qui ça nous manque, qui ça nous pas gagné, puis qu'à côté support à nous pour nous avancer avec travail pour nous aller plus vite. Et d'ailleurs, on a préparé et fête Sainte-Rose qui a prévu prochainement et nous garantit et population que et d'ici fête là, et nous avons très loin dans les travaux de bétonnage et bien route pilote présence. Visite ça, c'est pour permettre chef gouvernement, ouais, et puis comprendre réalité commune. Sa yo cap aider le prend plus bonne décision dans intérêt population haïtienne nan. Population qui vivent dans rue Borno ak Dufort, zone Fort Saint-Michel, dans ville Cap-Haïtien, applaudit travail infrastructure qui fait dans zone Silla. Pour rue Borno, béton de mété sous 600 mètres, alors que rue Dufort, c'est sous plusieurs kilomètres. Richardson Jourdan ak l'aurore d'Arly Jean-Jacques a présenté nous un reportage. Travail bétonnage plusieurs rues dans zone Fort Saint-Michel, ville au Cap. Tant qu'on en Ribono ak Difor avancé à grands pas. Techniciens travaux publics, transport et communication mobilisés la journée coule en nuit dans l'idée pour finir avec travail yo. Habitants yo félicité travail ça yo cap fait grâce à caravane changement qui bal bay zone là yon l'autre visage. Nous travail là bon parce que nous pas grand route. Pour le bon moment nous bon travail cap fait. Même les pas fini mais travail là bon. Une belle initiative pour le pays et on trace tout pour le gouvernement parce que la population est vraiment en besoin, en nécessité. Chaque fois qu'il y a la pluie, son réflexion. Et son zone qui habite en majeure partie par paysans, c'est une première fois pour le Grand Nord, son premier gouvernement qui fait une telle ouverture à travers le Grand Nord, qui vraiment pensait à masse populaire. Habitants fait qu'on est. Ribono ak Difort dans la zone Fort Saint-Michel t'est trouvé dans un mauvais état par rapport à la pluie et puis la boue qui te connaît au problème. Zone là, c'est une zone qui était presque humiliée. Parce que dans le moment dans gouvernement passé, la zone ça n'a pas jamais gagné aucun monde qui était pensé à la zone là. Parce que la zone dans l'air que gagne la pluie, personne monde pas circuler. L'aide de l'eau a ravagé mon dos. Mais je dis à un grand travail qu'a fait dans la zone, c'est une félicitation. Moi, c'est une belle initiative. Parce que dans Ribon Noa, là, la boule et la pluie tombée, c'est un gros problème. Et tout le monde dans la zone, moi, je quoi, quel que soit côté où tu es caillé, moi, son travail qui est utile pour la population et côté nous, là. Plusieurs départements, parmi les départements nord-est, précisément commune tout du nord. Même travail ça yo a réalisé toujours dans le cadre de caravane changement. Merci Richardson ak l'Aurore. N'a pas poursuivre information yo pour faire connaître ministère santé publique lancé mardi 19 juin document politique national laboratoire. Politique ça défini yon ensemble stratégie gouvernement gagné pour améliorer système santé a dans pays a. Projet ça possible grâce à collaboration Fondation Mérieux avec financement Union européenne dans cadre projet pour structurer programme Haïti Labla. Falanda Delphin avec Michel Joseph Abdi nous plus dans un reportage. C'est prendre un moyen pour assurer réglementation secteur laboratoire médical là avec accès permanent service diagnostic biologique yo. D'après ministre santé publique là docteur Marie Gretawa Clément. Yon bon politique national laboratoire a permettre responsable identifier maladie yo, adopter yon choix thérapeutique ak maladie amende, influencer prix traitement pour mettre malade la en confiance. Un diagnostic biologique fiable permet d'identifier la cause de la maladie et d'adapter le choix thérapeutique pour le rétablissement du patient. Il peut influencer la durée et le coût de la prise en charge et susciter la satisfaction et la confiance des malades dans le système de santé. En outre, les données issues des laboratoires constituent les yeux du ministère. L'identification du choléra après le tremblement de terre de 2010, l'arrivée du virus Zika et la recrudescence récente des cas de diphtérie
sont des exemples là, qui démontrent bien la situation en constante évolution. Nous devons suivre les tendances des maladies et adapter les mesures de riposte pour mieux protéger et prendre en charge notre population. Représentant ambassadeur Union européenne en Haïti, Aniceto Rodriguez Luis, salue action gouvernement pour adoption projet ça qui montrait intérêt Union européenne pour réformer santé à tout niveau dans pays puisque Haïti subit pendant dernière année ça yo en pile épidémie et maladies infectieuses. Nous soutenons aussi d'autres partenaires en faveur des services de santé de qualité, le projet SP Haïti Lab et sa contribution à la définition d'une nouvelle politique de laboratoire sont d'une importance majeure et permettent à l'Union européenne de marquer notre intérêt pour le développement du secteur de la santé ici en Haïti. Nous le savons que trop bien, Haïti paye un lourd tribut face aux maladies infectieuses, mais aussi aux maladies non infectieuses. Dans ce contexte, un programme contribuant à améliorer la santé de la population par l'analyse et les conseils stratégiques en matière de politique de laboratoire revêt une importance majeure. Les réalisations du programme sont d'ores et déjà nombreuses. Pour directeur laboratoire recherche et épidémiologie, Dr. Patrick Dely, projet ça a permis modernisation et puis comprendre le laboratoire dans le système santé. C'est aussi le début d'une nouvelle ère où les principes fondamentaux, l'ensemble des stratégies retenues par le gouvernement d'Haïti pour améliorer les services des laboratoires médicaux du pays sont clairement définis. Cette dernière pourra sans doute révolutionner son approche de la santé publique en Haïti, si l'on accepte bien de consentir les efforts nécessaires pouvant faciliter sa mise en œuvre. Projet ça a été lancé dans l'année 2015 pour une durée 5 ans. C'est une idée pour améliorer le système laboratoire dans le pays. La politique nationale laboratoire médical a campé sur universalité, équité, partenariat, éthique, efficacité et orientation client. La bien pour mission améliorer système santé population, la page sous plusieurs axes parmi eux, gestion information laboratoire, gestion fatra, amélioration système consommable laboratoire, dispositif légal et réglementaire. Merci Falande ak Michaud. Et puis un point qui domine actualité hein, c'est question examen officiel yo. J'en te dit nan grand titio épreuve anticipée français pour élèves nouveau secondaire 3 yo déroulé mardi 19 juin en dans pays. D'après responsable nan ministère éducation nationale et formation professionnelle, toute disposition te prend pour faciliter bon déroulement examen sa yo. Rachel Saint-Fort avec Fresnel Toussaint pour un reportage. C'est environ 50 000 candidats pour le département de l'Ouest là qui participaient dans l'épreuve anticipée en français pour élèves nouveau secondaire 3 yo, d'après directeur départemental de l'Ouest là, Louis-Fritz Dormainville. Nouveau secondaire, d'après responsable ministère éducation nationale et formation professionnelle, yo, c'est une nouvelle approche en termes formation qui peut être une approche par compétence qui est en phase d'expérimentation dans le pays. Ya. Gen nouveau matière tant que économie créole, éducation artistique et citoyenneté qui entre dans nouveau secondaire. Gen nouveau secondaire 1, 2, 3 et puis 4. La toute direction départementale yo décision de prendre pour administrer examen ça. Mais moi-même qui dans direction départementale de l'Ouest, toute disposition te prend, texte nous te prêt depuis samedi et nous par le biais des coordonnateurs des districts scolaires, nous atteignons l'école yo, et yo examen ça a fait. Mais sauf que certains districts scolaires arrivent en retard, mais de toute façon, les timoun yo composé, je dis. Pour qui ça au fond épreuve anticipée? C'est parce que timoun yo gon paquet de matières yo fait tout pendant période là, puis yo réduit nombre de matières que yo pral faire en secondaire 4 là, ça nous le bac unique là, donc yo fait une épreuve que yo les épreuve anticipée et note ça y a conservé pour ti moun nan l'année prochaine, les mêmes va pas passer examen ça. D'après quelques élèves qui t'ont subi épreuve français, examen t'est dans niveau yo.
quelques autres dit examen était facile parce que on était préparé gain l'autre qui fait connait examen français a pas de facile examen bon il pas trop difficile mais faut que tu travailles faut que tu bien comprendre bien les textes faut que tu bien composer tout depuis ce examen a toujours gain pression mais moi j'étais pour j'ai jouer ça parce que moi j'étais travail et moi gain confiance en tête mais qui m'a passé pour moi examen pas vraiment comme si paraît difficile c'était un examen moral donc et ça yo ba wa c'est pour capable agrandir connaissance donc je pense que li pas mal pour moi bon pas connu pour certaines d'autres élèves mais pour moi li pas mal c'était avec propre moral pour dégager responsable fait connait a pas avancé vers généralisation nouveau secondaire dans pays a pendant yo expliquer a travail pour année qui vini yo toute l'école qui pour entrer dans programme ça entrer la donne. Merci Rachel ak Frisnel. N'a toujours été nos pages éducatives là ensemble avec directeur départemental l'Ouest là Louis Fritz Dorminville qui annonçait mardi 19 juin toute disposition déjà prend pour faciliter élèves qui prennent dans examen baccalauréat yo dans département l'Ouest là joindre fichier. Yon l'autre bord, directeur départemental l'Ouest l'a expliqué, yon rencontré quelques difficultés à Nessa à cause quelques directeurs l'école qui pas respecté échéancio. Louis Fritz Dorminville fait connaître tout. Nan niveau ministère, y a travail pour tout élève qui réunit conditions yo participer nan examen yo comme ça doit. L'abdi nous plus. C'est pour l'Ouest là, il y a bien fichier là, mais aujourd'hui, parce que nous avons envoyé dans certains districts scolaires, parce que fiche l'Ouest là, nous avons imprimé déjà. Mais nous avons des écoles pour raison, pour diverses raisons. Soit nous avons des dossiers en retard, soit l'information nous avons pas correct. Donc ça vient permettre de faire des gens qui valider. Tout comme tout, des gens qui ont été inscrits tout même tout. Il y a des fautes qui sont imputables à tout. Nous sommes rencontrés là, en temps avec eux, nous prenons un dossier qui est bon et puis pour nous-mêmes nous faire suite. Parce que qui sa ministre veut et ça nous veut tout, des conseils ministres tout, que si tout le monde réunit les conditions pour le composer, il n'y a pas de droit pour le composer. Et c'est ça que nous avons fait là. Maintenant, nous avons près de 52 700 fiches pour candidats. 52 700 candidats fiches, ça a été imprimé. Et aujourd'hui, la distribution a commencé. Maintenant, dit l'école, ça on a pris un dossier là, on a traité au soir, on a traité au demain, et ça qui réunit conditions pour l'examen, pour que vous même une fiche pour l'examen. Et puis nous sommes annoncés dans Grand Titio tout, mardi 19 juin, on fait faculté sciences humaines, 44 l'année depuis l'existé dans l'Université d'État d'Haïti. Dans l'occasion 44e anniversaire, ça, étudiants fachio, coordination faculté A et puis rectorat Université l'État organisé une série d'activités jodia pour marquer journée sila. John Herbie Casseus ak Fresnel Toussaint et visité faculté A. On suive qui j'en saté. Fondée dans l'année 1974, Sciences humaines, c'est cette faculté dans l'Université de l'État d'Haïti qui recevra deux nouveaux promotions chaque année. Pour chaque promotion, la faculté est capable de prendre environ 150 étudiants. Il y a un département de psychologie, communication sociale, service social, sociologie et un programme maîtrise dans la population et développement. Dans l'occasion 44e année existence, responsable faculté a organisé une série d'activités. Parmi eux, il y a un chita pali entre professeurs, responsables de l'université d'État et étudiants. Pour moi, c'est un grand jour et je suis content parce que auparavant, généralement, les télévisions ou les radios étaient venus là, ils étaient venus pour venir prendre ça qui n'a pas marché, mais je dis à venir parce qu'il y a un bagage qui est bon qu'a fait. Donc ça a vraiment fait plaisir parce que je dis à nous avons 44 ans et je pense que la faculté a pris sur une bonne voie. Nous sommes étudiants en sciences humaines, je dis à venir en séance, c'est la première fois que sciences humaines a célébré l'anniversaire. Vous voyez, moi, je suis entré ici à l'année 2000-2002. Je dis en 2018, ça fait quand même beaucoup de temps. C'est pour dire que c'est pour moi-même un fait très significatif le fait que je dis à commémorer le 44e anniversaire. Là. Bien évidemment, nous avons une situation extrêmement difficile. L'université a sorti dans un carrefour extrêmement difficile. Il y a encore un carrefour, étant donné qu'il y a un pile de problèmes qui posent qui peuvent rejoindre une solution. Il y a une science humaine aussi fait sauter. Dans la même situation en tout, fait passer près d'un an fermé.
Donc nous renouvrons, nous essayons de regarder dans quelle mesure nous sommes capables de continuer à fonctionner. C'est pour dire que l'anniversaire à venir est un moment extrêmement difficile, mais tout au moins significatif pour dire que nous comptons côté nous sortir, nous comptons côté nous pour aller. Malgré mauvais moments et difficultés, faculté a fait face. Sciences humaines a toujours été une référence dans le domaine d'études d'études en Haïti, selon vice-recteur recherche dans UEH, là, Jacques Blaise. C'est d'abord une joie pour nous apprécier quand même une institution, qui, une entité qui est dans l'université, qui traversait toute année ça, 44 ans, avec toutes les difficultés que nous connaissons, qui était debout, qui a continué le combat. Je pense que c'est à apprécier. Et pendant ces 44 ans, pour exister, entité ça, il connaît de bons, il connaît de mauvais moments. Mais ce qui est important, c'est l'offre fait bilan, c'est que ou camper debout, ou capable apprécier son effet qui bon, et ou capable porter les corrections nécessaires, ou essayer ou quelle façon que nous capable faire pour nous pérenniser entité âme, parce que c'était un moment de pause extrêmement important. Joignez un plus bon local pour suivre cours. Permettre étudiants au gain d'octroi à laboratoire pour faire recherche, c'est sur quelques étudiants faibles. Dans l'occasion 44e anniversaire, faculté sciences humaines. Merci John Herbie et Fresnel. Nous souhaitons 44 l'année ça yo à permettre faculté sciences humaines relancer sur un plus bon pied en dans UEH là. Après une pause, nous retournons tout de suite. Merci parce que nous toujours été branchés. Téléjournal en sous TNH. Information yo après poursuivre pour nous faire connaître. Gagnons délégation qui gagne là dans le membre comité pilotage état généraux sectoriel qui visitait ville Port-de-Paix dimanche 18 à lundi 19 juin 2018 là. Visite sa fête dans le cadre préparatif pour réaliser forum départemental État généraux sectoriel nation vendredi 22 juin Cap Vinila. Marc Edi Osam depuis Port-de-Paix pral di nou plus. Pendant visite de Joussa, membre commission Téchita Palé ak représentant divers secteurs dans le département nord-ouest là, dans objectif pour te expliquer yo bien fonder l'idée état généraux nation et puis montrer yo nécessité pour participer dans premier forum départemental sur état généraux nation qu'a organisé dans ville Port-de-Paix d'après professeur Jean Lavo Frédéric qui t'a présidé commission. Invitation faite jodi déjà, nous s'est rencontré pour nous parler pour presse, nous pour préparer pour nous retourner jeudi et vendredi pour gros rencontre ça fait. Nous rencontrer avec des secteurs femmes, non, gain scout, nous rencontrer avec le secteur paysan qui dans coopérative, nous rencontrer avec mon handicapé, nous rencontrer avec plusieurs secteurs, nous prendre des engagements pour le travail pour rencontre ça capable passer très bien jeudi. Après Chita parlé à représentant différents secteurs yo IREX jeune Secrétariat technique là pas caché satisfaction li. Gen pile là dedans, on était bien content que nous rencontrer parce que pas connait exactement qui rôle état généraux. Mais les qu'une prend temps pour expliquer yo, yo tout embrasser l'idée, yo manifester intérêt yo, yo wè que wè vendredi 22, y a fini dans rencontre là que ka tendez pour ka prendre tolérance pour voter là. Marie Carmel mentor, membre commission pilotage là, souhaité c'est tout secteur dans département nord-ouest là qui répond présent dans grand rassemblement ça pour venir porter doléance yo. Nous pas quitter état généraux à travers Port-au-Prince seulement, nous descendons dans le département, dans la commune, dans la section communale, pour nous venir parler avec chaque grain haïtien, pour se yon même avec voix par yon, qui dit exactement qui douleur, qui cause qui fait souffrir, et comment tout, nous chercher, mettre ensemble pour nous résoudre le problème. Pourquoi elle est là? Rendez-vous à Cassé pour vendredi 22 juin, Cap Vinila, dans la ville Port-au-Prince, pour le premier forum départemental, table sectorielle, état généraux nation, président Jovenel Moïse. C'était initié depuis Cité Capo à la mort pour le père Marc Edi Osam, antenne télévision d'État. Merci Marc Edi Osam. Et puis, après, poursuivre pour nous faire connaître une séance plénière qui était en continuation entre Commission Justice et Sécurité publique Sénat et puis Conseil supérieur Police nationale. Terra poursuivre mardi 19 juin, côté OTA abordé plusieurs points qui ont rapport à la sécurité. Président Commission Jean-Rinel Senatus a bâillé plus précision sur ensemble points qui étaient discutés. Pendant rencontre là, dans le micro Fedner Confident avec Moïse Wilbridge. Nous avons penché sur le cas d'insécurité qui a produit dans la zone Matissan, dans la zone Bicentenaire, dans la zone Grand Ravine. Et sur le point ça, il y a des décisions que nous prenons
malheureusement, non pas qu'à dire devant la presse, puisqu'il s'agit de la sécurité intérieure du pays. Nous t'aimons avec yo car qui passe Miragouane, qui suivi, qui vous fait sous lit. Ça qui passe café trio au cap qui ça fait. Sous trou du Nord, il y a une liste de 30 sujets que nous avons ministre justice la travaille sous yo. Qui c'est des cas de monde qui assassiné, des actes de banditisme qui produit. Nous avons des rapports dans 15 ministres qui ont gagné pour le rapport pour nous. Et nous avons gagné pour nous faire chita sous question Brissif, Tiot, sous ça qui est passé Tiot là, côté 15 policiers, Vio, t'es en danger. Nous avons des informations que nous avons gagné en commission, que nous avons confronté avec information secrétaire d'État sécurité publique là. Qui m'a donné pour nous continuer à approfondir la question ça, parce que il y a une responsabilité qui doit être fixée. Nous chita sous question arrêté 23 mai 2018 là, que moi-même dans la presse, nous t'ai dit c'est un arrêté qui révoquait directeur général de la police là. Premier ministre et CSPN nous fournit des informations pour montrer nous que c'est dans l'esprit pour harmoniser démarche ou du moins décision qu'a prend au niveau la police qui a été prendre. Si gagne faille non arrêté ya yo prêt pour yo rétracter et faire prendre les décisions qui s'imposent. Toujours dans ça qui gagne ouais question sécurité hein? Premier ministre Jack Guilafontaine by commission hein? Garantie il a continué travail pour créer conditions pour un climat qui puis stable en dans pays ya. Chef gouvernement mandé population pour pas hésiter partager information avec PNH là. L'a dit nous plus. C'était une rencontre nous qu'a dit qui était très cordial et comme nous connaissons une prérogative que Sénat a gagné pour jouer un rôle de contrôle sur l'exécutif là. Et n'a pas que depuis que nous arrivé ici hein, c'est Youn nous qu'a dit dans le gouvernement qui vient plus souvent dans le Parlement pour venir chita soit en commission, soit en assemblée avec les honorables sénateurs ou les honorables députés pour nous capables de parler de fonctionnement de l'État. Eh bien, comme président de la commission Sodilla, c'est une réunion de travail très positive, côté que tu as des échanges. Et à un certain moment, nous demandons à tout le monde qui pas fait partie de CSPN ou bien pas de sénateur pour quitter cette salle pour nous parler, n'est-ce pas vrai, des questions de sécurité. Nous connaissons que là, ces questions de sécurité, ce n'est pas bagaille que nous avons parlé en public. Mais garantie que nous avons aujourd'hui, c'est qu'au niveau de l'exécutif, et plus précisément au niveau du CSPN, nous travaillons pour nous. Pour nous gagner plus de sécurité dans le pays. Nous travaillons pour nous, pour avec sécurité que le pays a gagné, pour nous capables d'attirer les investissements dans le pays. Pour nous suspendre voler terre, pour nous suspendre agresser les gens. C'est l'occasion que je profite pour demander à chaque Grenadien, chaque Grenadienne, pour collaborer avec la police. Les gens ont des informations pour partager avec la police. Parce que question de sécurité pays, ce n'est pas question la police seulement, ce n'est pas question parlement, ce n'est pas question exécutif, c'est une question qui intéresse nous tous. Bien sûr, nous-mêmes, nous travaillons très dur et nous avons besoin d'informations pour nous continuer de traquer les bandits. La garantie que nous avons, c'est que Jean, directeur de la police, dit là, nous avons toutes informations et très prochainement, nous avons mené tous les bandits devant la justice. Okay. L'autre point dans le journal, ça. Sous supervision ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural, à travers direction départementale agricole nord-ouest et puis organisation non gouvernementale HIFER, habitants et pêcheurs dans la localité Cabaret, première section communale Jean Rabel, fait premier pêche dans le lac Collinet après plusieurs années, lac ça a été construit dans la zone.
Yon activité qui déroulait en présence directeur départemental agricole Nord-Ouest, agronome Kerly Petitdier, et puis directeur général Eiferland, docteur Hervé Chérubin. On suit. Gen pis passé des années depuis construction la colline ça qui trouvait dans localité Cabaret première section communale Jean Abel t'est lancé des années après habitants ak pêcheurs zone là et puis plusieurs membres dans communauté a qui regroupé yo en association exploité premier pêche yo dans lac là week-end passé a avec lac là majorité bête nous t'ont gagné cap mouri avec soif de l'eau ça va arriver encore et on pile moun utiliser lac là pour yo là faire lessive. Et très bientôt, on se regarde là, nous avons fait arrangement avec le jardin pour le faire. Cela veut dire que pour nous, la clé représente un pile bagaille. Directeur général ONG FR, Dr. Erville Chérubin, exprime satisfaction pour la réalisation du projet ça, qui d'après lui, pourra permettre une zone productive. La clé est importante pour plusieurs raisons, parce que c'est une zone qui n'a pas de l'eau. C'est une zone qui est difficile pour les gens qui ont de l'eau. Tout le monde est là, c'est parce qu'ils sont réellement contents, parce que d'habitude, ils n'ont pas gagné tout aspect de l'eau. Ça là. Et il y a un autre encore qui est important, où est derrière de l'Aclan, où est le contracteur qui a pu labourer et terre près de 7 à 8 carottes. C'est un travail ministère de l'Agriculture avec FE à faire côté, il y a une possibilité pour yo labourer terre et pour moun yo ka planter parce que zone ça c'est une zone en réalité qui pas apte pour agriculture. Son zone c'est piquant ou sous lit c'est bayawon mais à cause de lac lan ki la qui fait que tout bay ça réalisé. Directeur départemental agricole Nord-Ouest là, agronome Kerly Petitdier annoncé un recensement pêcher dans zone là pendant le parler sous divers projets en faveur moun dans communauté a. Pour même son plaisir pour moi pour jodi a assister à premier pêche qui fait dans l'axe. Et même particulièrement qui c'est directeur départemental à l'école Nord-Ouest, moi quand je viens dans la zone, là, c'est pour un projet d'irrigation. Mais je dis à venir, c'est pour un projet pêche. Et projet, ça a tout à fait important qu'un projet d'irrigation. 170 000 dollars américains, c'est quantité l'argent projet construction la colline ça coûté. Kounyon a fait connaître Observatoire citoyen pour institutionnalisation démocratie, OCID, présenté mardi 19 juin un nouveau diagnostic sous système électoral haïtien. Ronnie Desroches, un membre comité pilotage OCID, fait plusieurs recommandations pour gagner une réforme du système électoral haïtien. Parmi eux, pour KEP, un propre budget pâle. En suivant bout dans la déclaration, Ronnie Desroches, qui était dans le micro, Darline Dorival et Michaud Joseph. Le travail qu'on a fait avec l'appui de NDI, c'est un travail sur la réforme du système électoral. Et nous avons un groupe de 18 personnalités qui travaillent pendant plus de 35 heures sous le travail ça. Nous avons présenté à un certain nombre de responsables de la société civile dans l'hôtel Plaza la semaine dernière là. Et nous venons avec un certain nombre de recommandations, n'est-ce pas, pour changer le système électoral là. Juste pour nous donner un ou deux exemples. Par exemple, nous dit comme ça qu'il faut que yo capable doter CEPA de propre budget, que CEPA pas obligé dépendre tout le temps de l'exécutif pour demander, n'est-ce pas, que li capable un fonds propre pour ça et que pas besoin dépendre non plus de l'étranger pour financement. L'autre bagaille tout nous dit par exemple, il faut que la question de décharge li pas dépendre de parlementaires encore, mais qu'elles dépendent uniquement de la Cour supérieure des comptes, du contentieux administratif. Et aussi, nous dit par exemple que ce soit la Cour constitutionnelle qui lègue un problème au sujet d'un résultat d'élection qui tranchait, que ce soit pas, n'est-ce pas, CEPA lui-même qui juge les partis, c'est lui qui a administré l'élection, c'est lui qui a tranché encore, ça pas normal d'après les règlements juridiques.
Une information en page religieuse, là, coordonnateur presse Saloyum Témoin Jéhovah, Erol Toussaint, eh bien, invité population à participer dans le congrès Témoin Jéhovah, a organisé 15 juin pour arriver 9 septembre 2018. Coordonnateur a expliqué, activité ça, pour elle permettre croyant yo plus rapprocher bon côté Jéhovah et puis créer fraternité non mitan yo. Et Erol Toussaint a apporté plus explications dans micro Colo Eliezer à Fresnel Toussaint. Alors, nous venons dans l'objectif pour nous capables inviter toutes téléspectatrices, toutes téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti yo, pour yo venir assister à gros rassemblement spirituel Témoin de Jéhovah yo. Ça nous est le congrès régional de Mwenji Ovayo qui est toujours fait chaque année à par ailleurs. Et dans le rassemblement, dans le congrès, il y a un pile belle bagaille qui pourrait le dire, notamment pour un discours, pour un interview, pour un témoignage, pour un film. Et toute activité, c'est un objectif pour être capable de rapprocher plus de bon Dieu. Et ensuite, pour que le grand public là vienne goumer dans le sens que yo apprenne qu'on est principe bon Dieu, yo apprenne mettre courage sur yo, parce que Anissa, thème congrès, c'est mettre courage sur nous. Donc, congrès ça, li destiné à grand public là, yon façon pour yo capable aider yo à améliorer relation yo avec bon Dieu. Chaque week-end, du 15 au 17 juin 2018, rivé 7 au 9 septembre, tous les week-ends, n'a bien congrès à yo qui a déroulé dans Santo 20, numéro 7, Croix des Bouquets. Moment arrivé pour nous prendre l'autre pause dans le journal, ça a été branché, n'a pas tourné tout de suite. Merci pour fidélité. Nous n'attendons un dernier tranche journal ça dans l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous faire connaître 2000 timoun séparés avec parents aux États-Unis à cause yo arrêté parents ça yo parce que yo pas gain papier. Président américain Donald Trump bon côté parle rend démocratio responsable de situation si là. Toujours dans l'actualité en l'autre bord de l'eau, chancelier allemand Angela Merkel recevoit président français Emmanuel Macron jeudi mardi 19 juin. Crise migratoire est en mitan discussion yo sans trop surprise en suive. Dans le cadre d'un conseil ministre franco-allemand qui a déroulé dans le pays Allemagne, chef diplomatique Angela Merkel recevra le président français Emmanuel Macron mardi 19 juin 2018. Là. Dans l'agenda pour journée, question migratoire, une question qui pas suspendre créer division dans l'Union qui fragilise tout le gouvernement Angela Merkel. Là. Jeudi, à priorité, chancelier, c'est joindre soutien leader européen pour arriver à joindre un terrain d'entente sur une politique européenne. Sous immigration. Parti politique centre-droite allemand, Union chrétienne sociale Bavière, déjà menacé pour fermer frontière allemande dans le mois de juillet pour migrants, un ultimatum chancelier pas accepté. Commission Justice Sénat rencontré mardi 19 juin en membre Conseil supérieur Police nationale. La. Question sécurité a été en mi-temps discussion. Yo. Ministère Santé publique et population lancé mardi 19 juin document politique national laboratoire. Document ça définit stratégie gouvernement pour améliorer système santé en dans pays. A. Épreuve anticipée français pour élèves nouveau secondaire 3 déroulé mardi 19 juin dans le pays. Toute disposition te prend pour faciliter bon déroulement examen. Mardi 19 juin fait faculté sciences humaines 44 l'année depuis qu'il existait dans l'Université de l'État d'Haïti. Dans l'occasion, étudiants et responsables de la faculté et puis rectorat Université l'État organisé une série d'activités pour marquer journée ça.
L'actualité en Bodlo, chancelière allemande Angela Merkel recevra président français Emmanuel Macron mardi 19 juin. Crise migratoire tenamitan discussion yo. Merci tout le monde qui t'a suivi. Deuxième sortie journal pour semaine ça. Dans présentation, c'était Liné là. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée ou t'es arrivé rendu possible. Et puis n'a souhaité nous toutes une très bonne fin de soirée sur télévision nationale d'Haïti. Au revoir.